chers internautes, Samba Ulunga a tombé le bino week-end malamu partout où vous allez kolanda biso à travers Mokili Mobimba, partout où vous allez kolanda biso à travers République démocratique du Congo. Merci pour la fidélité oyo bopesaka biso, merci pour la confiance na bino renouvelée chaque jour. Na étando ya Gcam télévision na émission Debout Congolais na yango penda na pesibino matondo mingi boyeba ete chaîne ko ezali chaîne na bino ozali déjà en direct oza kolanda live oyo. Veuillez partager s'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et surtout n'oubliez pas de liker s'il vous plaît et partager l'actualité. Justice Yanzambe et Ratakate, je ne suis pas le seul à le dire. Les autres disent la justice de Dieu, il y en a. Maintenant, il y a justice Yanzambe et Ratakate pour bisognonso, pour vous allez peser la même balance. Tôt ou tard, nous allons tous finir par payer les prix de nos actes. Alors, yo ko lobate ke bazo mona ngaité, yebango ke est invisible les alliés ali ko mona yo. Merci d'être en direct pour suivre ce direct présenté par Samba Ulunga, des pères et des mères. Partagez s'il vous plaît. À la une de notre actualité, Olive Lembe azali déjà na Lubumbashi ake ko sala nini. Samba Ulunga azali ko fongola penda ko panzante ke pona kotali sabino nini oyo Olive Lembe akeyi ko luka na Lubumbashi. Doit-on craindre le déplacement de l'ex-première dame de la République démocratique du Congo? Dans cette émission, vous aurez des éclaircissements. Mais pendant que Olive Lembe oyo a fait partie de l'actualité oyo dominant qui semaine oyo azokende na Lubumbashi, il y a un procès en cours contre de jeunes gens parce que Joseph Kabila, ils ont vandalisé ba jeunes gens wana bazali ko samba, les autres sont torturés, bazali ba membre ya force du progrès. Est-ce que zali na bato bazali ko reconnaître bango na qualité wana ya membre ya force du progrès? Est-ce que zali malamu traitement ou bazali ko subir? Quelles leçons à tirer de ce qui est en train de se passer sous nos yeux? Samba Ulunga, comme d'habitude, azali ko fongola bino ko pesa bino éclairage. Toye ba nini pende za ko leka na dossier wana? Sont-ils victimes ou bien baza ba bourreau? Mini pende zali politique et batami na sima makambo e leka ki na bombe. Bandeko wana, tope bandeko na biso bilenge wana, mini etinda ki bango, ba video ezo ko continue ko bima. Ndeko moko na kombo Antibal, balakisi video na ye makambo alobaki avant. Qu'est-ce qui se passe na lupango ya Joseph Kabila? Toko lobela ngo na émission oyo. L'actualité au courant de cette semaine ezala ki pe célébration topé commémoration il y a génocoste génocide congolais pour des gains autres ali pour des gains pour des causes économiques. Mais la commémoration oyo ekotinda biso pe to interpeller batou oyo pe bazala à la base ya kotanga makila ya ba congolais. Il n'y a pas que les ougandais les rwandais tokolobela makambo bilé concernant commémoration ya holocauste ya ba congolais. Samba Ulunga a fongola lisusu parenthèse monene wana tumonaki lobi constant mutambale laki mbongo ebimi pona kobanda ko commémorer chaque le 2 août tokobanda ko se souvenir na bawa bandeko na biso oyo bakufi ba innocent pe bazali ko continuer ko kufa tokolobela ngo na kati émission oyo ya moto sukisa maye na oyo eza koleka na sud Kivu bala liboso nazalaki un peu content. Ya koyoka ki ba chinois bakangamaki batie bango kraka pourquoi ba boyi kotosa mibeko oyo epesamaki na gouverneur ya sud Kivu balobaki ke ba entreprise nyonso minière ba activité na bango ezali suspendi jusqu'à nouvel ordre. Mais le roi ba chinois bayebi ke mboko ekoma ya bango bango balingaki kokenda l'encontre ya mibeko mbala liboso na Congo. Tomoni video eza kosirkule chinois baza kotyaye kraka na boko pe eza minene krake eza moke tokolobela ngo na émission na bino ya lelo. Natombeli bino encore une fois de plus boyei malamu na kati ya émission oyo. Bon week-end de partout vous nous suivez à travers
la République démocratique du Congo. Partagez les lives. Ceux qui déjà yo kotina direct oyo, moninga zala na retard te. Kabola na ye penda live oyo. Toza la ebele, n'hésitez pas de commenter depuis wapi. Yo zali kolanda information, topé ba analyse, ba commentaire ya sambo longo tout ya actualité depuis wapi à travers le monde yo zali ko suivre biso. Voilà, je reviens à l'actualité. Likez surtout. Bobo sana ko likez te. Madame Olive Lembe fait partie des noms qui ont marqué cette semaine l'actualité Nabissou. Comme vous l'avez si bien vu dans le titre Nabissou Lelo, vous remarquez que Madame Olive Lembe, femme de Joseph Kabila, ex-première dame, a zanga quitté ça la retour dans l'actualité. Bamsouba le biais ali distraction. Sujet à Boitoui pour vendre la motete, c'est important tout le bilango parce que derrière ce que nous appelons distraction se cache une frustration et aussi des mauvais plans. Olive Lembe Kabila, après avoir fait l'actualité ici à Kinshasa, après avoir manipulé certains Congolais, a mati un avion, Zela Moko na nonce apostolique. Il y a l'église catholique représentant le pape Awa à se retrouver dans Lubumbashi. En tout cas, il y a des images qui montrent Olive Lembe sous les pieds de l'avion. Azali Kopé Sana Mbote, na évêque. Il y a l'église catholique Kuna na Mupanzi à Katanga, Marcelin Outembi. Ye Bakutana Kikuna. Qu'est-ce qu'elle est allée faire? J'en parle dans cette émission. Olive Lemba sale actualité pour la nini a se pela ki a tout la biso bordure makambo bomba ki na mutema ça fait longtemps a bombi makambo mingi ya ba perte azali ko subir ya bilanga na bango ba pesa bango Congo comment ba entreprise na bango ezali ko kufa de plus en plus parce que l'état congolais a commis ko exiger ba taxe na ba entreprise union so même ceux qui entreprise na bine ezala ki exonéré. Mais ceux qui battent l'exonération en ezali frauduleuse, ezali ko respecter te mibeko, ba kolongola yango ko zala obligé au foot à campagne. Madame Olive Lembe a perdu plusieurs entreprises ya lolenge wana notamment égal au batubile ba yebaki. Mais semaine oyo tolo ba ya deux jours passés ou trois jours tout mona ki Olive Lembe ko se plaindre que azala ki ciblé. Batinde la qui est bilingue, moko batinde ko éliminer ye physiquement. Ce sont des accusations graves et gravissimes. Tant que moto azali ko loba affirmer devant opinion nationale et internationale que les jeunes gens que vous voyez, sans machette ni arme, batinda maki po baya rubuma, Olive Lembe. On en a parlé. Mais derrière cette actualité, nous avons découvert que l'actualité Moussousou et Zali ont continué à Bakisama. C'est quoi l'actualité pour tout développer en Malam? Au moment où je vous parle, plus de 100 jeunes sont en état d'arrestation. L'objectif, c'est que nous avons reproché à Zali d'avoir pénétré le périmètre où Olive Lembe Zali a la sécurité. Il y a le pango na bango. En tout cas, les accusations de Olive Lembe ezali que bakendaki pou ba bomayé, c'était ça leur mission. Ces jeunes gens-là sont identifiés comme étant des membres de la force du progrès de l'UDPS. Un communiqué signé Augustin Kabuya ezali ko reconnaître te ba jeune wana comme étant des jeunes de l'UDPS et pourtant ezali bilongi ya koyebana. Bayebani ki ba jeune oya UDPS oui UDPS za na musu na makambo ba carte te mais ba bayebani par rapport à ba génération ate oyo eza combattant UDPS a oyo oyo eza yete te oyo eza penda ya UDPS UDPS ba bayebana kana bilongi ndenge ba bundelaka te oyo eza ka génération ya banani ya bayebani ndenge wana mais bilenge oyo disgrace na bango ezali que un communiqué signé Augustin Kabuya. Et lobby des jeunes non autrement identifiés. C'est que Baba Kibino n'a pas voulu à Bankosi. Le procès est en cours. Un certain monsieur du nom de Antibal, Azali, chef
ya oyo déjà ba mususu ba komi ko benga gang ba lobby force du progrès exact gangsterisme parce que bazali ko se mettre erreur a lobby vidéo na yebimi avant ba événement oyo salami et pas Olive Lembe. Il avertissait les autorités provinciales na ba autorité nationale sur danger oyo bango bazalaki komona na ndaku ya Olive Lembe. Pona bango basayan oyo basalaki tentative ya coup d'état ya na nani Christian Malanga ba mususu pe ba utaki na ndaku wana entre guillemets ezali témoignage na bango parce que ils sont habitués de cet environnement. Bato ba fukanta kafuna ba yebiki ba bilenga wa ba bilenge wana ba sala base na bango kuna. Depuis qu'ils vivaient là-bas, est-ce que ba sa ba si bazala déjà objet ya poursuite ya la police toté? Et pourquoi c'est seulement aujourd'hui que la police se rend compte que bato wana bazali menace pour la sécurité? Ça c'est d'autres questions. Si je peux pas répondre, na kaiti ki pour répondre peut même bino pe na banda. Mais toujours qu'il y a la vérité dans la mission. À l'obi, il faut qu'on ne colande la nanda pour Olive Lembe. Et ce qui est vrai et vérifiable, les alliés, que les alliés n'ont pas le pang ou y a GLM ou y a Kabila. Nos policiers ne sont pas professionnels et les alliés peuvent système au Kabila. Ça, là, qui n'est pas qu'on aille. Les bérets rouges. Les bérets rouges qu'on connaît être du PPRD, tous les lobes existent. Na nakuana GLM ya Joseph Kabila, il y a des jeunes gens, il y a aussi des bandits oyo bayoka na kate na ba élément ya force du progrès. Avant incident oyé kokwe ya esalema, bango ba uti côté na bango na ba conflit parcellaire, ba yé ko se retrouver ndenge baza koleka. Il y a eu une provocation oyé sali que basa la échange ba jet de pierre avant la police aya ko intervenir. Et vous savez surtout que police oyé biso il y a la République démocratique du Congo, ils ont un mot professionnel. Ils ont critiqué, mais ils ont un constat. Ceux qui sont des policiers, ils ont sécurisé, ils ont commis membres du parti politique, ils ont commis fanatiques. Notre police, ceux qui sont des policiers, ils ont commis un mot à la police, ils ont sachez. C'est ce qui se passe aussi lorsqu'on prend des éléments de la police, bah tiens yango et pas bah politicien, il se transforme en membre de la famille politique, bah comme il est membre de la famille biologique, bah bossani na bango mission, oyo ezako sala que bazala autour ya individu oyo bango bazali censé ko sécuriser. C'est de cette façon là que les policiers commis à la garde, ya résidence ya Joseph Kabila na GLM va se retrouver ba comme na bango ba partisan ya Olive Lembe na Joseph Kabila. Il y a de l'eau à boire na kati ya makambo tozali kolo. Donc ces jeunes gens pona bato ba yebi bango la force du progrès. En tout cas, dans la majorité, ce sont des gens qui fument bazali désordonnés, mais pour ceux qui connaissent l'histoire de l'UDPS, ba yebi que la force du progrès a existé avant Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir. Félix Tshisekedi au pouvoir, par élément force du progrès, parce qu'on continue, tambola qu'on insiste na combo ya Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui fait que après Koloba ya Olive Lembe, on a ramassé même des autres jeunes, oh bah yebi na bango les gambute, bah côté kana kati ya filé ya makambo force du progrès, bah bado mususu pe, bah jeune mususu pe bah kenda koloba misala ko sala. Banani bakoko pesa bango bakop ba se retrouver pe bakoyi na kati ya filet ya makambu ya force du progrès. Mabe to pendenge balubaka na lingala awa rando entre force du progrès na Olive Lembe et utaki wapi. Ceux qui ont suivi cette vidéo, je pense que gochama pe na kati ya chaîne Mabuso pour ceux qui veulent voir visionner parce qu'il y a tous en direct. Bokomona yango. Bango bazali ko réaliser que lupango wana ezali ko présenter insécurité. Lupango wana il faut pas veiller sur yango malamu. Bato bayebi malamu ba élément fort du progrès balobaka baza lisu ya mokonzi. Baza aide du chef. C'est-à-dire soki mokonzi azana likabu bango batambolaka. Bakendaka ko tambola partout baza ko vérifier, ils savent qu'il y a insécurité. Ba ex dignitaire ya Kabila mususu baza entretenir la insécurité, ça m'a mobilisé les quatre. C'est ça la mentalité qui les anime. Outre les encadrements, au bango basala. Mais l'occasion, ils ont aussi engagé tout le monde de la sujet autour de l'amour, c'est que
Olive Lembe, après ce qui est arrivé, a sali actualité naïe. Parce que l'objectif, c'était d'entrer dans l'actualité. Olive Lembe, qui a failli d'être tué parce que Batinda qui a éliminé Batou, a sali sorti naïe à presse, comme elle l'attendait, à s'attaquer na Batou Bazali pour diriger, à s'attaquer na Bemba. Elle prend le vol vers le week-end, lobby. À Siminzela, à Kéi Lubumbashi. C'est après des réunions avec ba fidèle ya Kabila. Bato batikali baza ko espérer lo moko de la part ya Kabila. A koti si ba réunion na bango. A Siminzela a Kéi. Je vais retourner na makambo etali procès ya ba élément ya force du progrès. Qu'est-ce qui est allé chercher au livre libre? Il faut tout lobe loko yo parce que depuis longtemps bato belé baza ko se donner au livre libre à Goma. Olive Lembe na bisika ebele. Mais ba bisika nyonso Olive Lembe za ko kende insécurité ezali ko se reproduire ba bisika wana. C'est pas pour la première fois que cela arrive. Insécurité ezali ko tambola na Olive Lembe. A kiti na Lubumbashi tomoni monseigneur soki évêque ya église catholique na parti wana président ya Senko. Monsieur évêque Nani Tolobaso qui balobana nini monseigneur on appelle en zana catholique pe. Tout moni est na pied avion baza ko pesa na mbote na Olive Lembe. Non sa apostolique pas ala ki. Il y a un démenti de la part ya batu ya église catholique ya mupanzi wana balobi note Olive Lembe ba yakin zela moko na non sa apostolique et puis l'évêque topé président ya Senko Marcelin Outembi ayaki ndepo ayako yamba nonce apostolique et ça coïncide que le rôle à Olive Lembe bayaki nzela moko na nonce apostolique yango bomonaki ba photo wana mais ce n'est pas que le président de la Senko ayaki ndepo ayako yamba Olive Lembe. Bon, peu importe ce qui peut se dire, nous ce que nous retenons ezali que tomoni bango lisanga. Ça on verra ça plus tard. Qui va maintenant chercher Olive Lembe au Katanga? Photo yeba que Katanga ils ali cible ya insécurité oyo Joseph Kabila et d'autres personnes notamment les Rwandais veulent créer au Congo. Tu as vu que début à gouvernance ya Félix Tshisekedi ezala ki entaché na ba problème ya insécurité na espace Katanga. Pourquoi? Tu yoka ki ole ba Katanga. O milice moko ebimi kuna. Ça a été un problème pour que la sécurité soit maintenue. Jusqu'à ce que le bataillon, il y a GR, garde républicaine, et Kitaki Kuna, Félix Tshisekedi a beaucoup insisté pour que la sécurité et mon espace soit. Mais vous avez entendu que ces derniers temps, les alliés, les politiciens ressortissants, il y a point wana. Oyo, les alliés, toujours la tendance. Il y a une insécurité côte à côte. Moyen à Bango, il y a pour résister sur le plan politique. Yangoana. Olive Lembe n'est pas partie à Lubumbashi par hasard. Elle a bien dit dans ma propos lorsqu'elle s'adressait à Félix Tshisekedi, à Jean-Pierre Bemba, que nous allons résister. Aussi, tu as une émission. Il ne faut pas que le pouvoir en place prenne. Bon, tu as dit que Olive Lembe, c'est rien, tu as dit les propagandes, mais. L'information est passée. Elle va résister, ils vont résister par rapport à quoi? Et là, on n'y a pas de résister. Parce que la menace n'est pas sérieuse. Tout le monde est ici, quand vous êtes vie à Kabila, vous allez en danger. Nous retenons que c'est Tshisekedi qui protège Joseph Kabila et sa femme. Et tous ceux qui ont vandalisé ce pays jusque-là, ils sont sous sécurité à Félix Tshisekedi. Selon Dil Oelobi, qui est la passation pacifique, il y a pouvoir et salami. En tout cas, on ne peut pas poursuivre ces gens-là. Les lois sont bazoba. Parce qu'au nom de la paix, Olive Lembe et son mari continuent à consommer l'argent qu'ils ont volé aux Congolais. Bazali ko continue à profiter de bien ou à vandaliser le peuple congolais. Et c'est là au Congo. Elle continue à considérer que les droits, ils allaient faire pour la bango. Bazabat Oyo, même après le pouvoir. Va venir entier, il faut les la bloquer, empêcher des circulations pour les autres citoyens au nom du périmètre de sécurité de son mari. Je pense que c'est les Congolais qui peuvent rien qu'accepter ça. Il n'y a que les Congolais qui peuvent accepter cette situation. Toyebi pe mobeko elobite que
En tout cas, permettre la sécurité à l'ancien président de la Congo, il faut battre que la yé balabala na yé moubimba, il faut les la bloquer. Tu yé bipete sur loi wana existe. Mais bande konangai, la question de Olive Lembe, nous la laissons au service de renseignement. Bayo kamakambo toza koloba, bazwango penda, na dimension ezaleli. Olive Lembe a zala kawondire messager à Kabila, mais aya kande koutou kou enfonce Kabila boleka. Nous, nous avons l'information que Olive Lembe et ceux qui l'entourent, ils vont résister. Bah, moyen au bango bah, utiliser pour bah, résister, toi, bien, moté. Parce que le vrai moyen était que si Kabila, Azalaki Moutoumoko, Azana culture à démocratie, à l'ingagaye bisabatounaye côté tout outil à élection, bah, quand on a bah, élection, pour bah, garder au rang à bango, bah, à la scène politique. Mais le diable qui les hante, bah, esprit, ils ont dérangé bango. Et ça dit que, en tout cas, bango pour la bango, bah bon côté la bango élection demain au bango basui à revanche Étienne Tshisekedi a boire au Kenya élection bango va kenya kabé élection bah mais là kabé champagne na hôtel pour bas célébrer victoire na bango les fils arrivés au pouvoir bango peut bah boire na bango au Kenya élection nous les considérons comme morts politiquement parce que ti mandat Tshisekedi aussi là pour bah y en a calcul mususu c'est un pétard donc là il y a un autre plan outre les plans démocratiques. C'est-à-dire pour na bango ko eza ko sale mana bazamba yango nde eza na mitu na bango lobi na lobaki mentalité ya afdel ko eza li ko déranger au livre libre yango nde toza ko mona illustration que Félix Tshisekedi que les services de sécurité fassent attention makam na zo lobo eza hasardé ba résidence ya Kabila na Katanga et continuer ko za la bien surveiller par les services de renseignement ba lande la dossier oyo malamu ce qui balali a actualité, nous souhaitons pas du mal pour nos frères qui vivent paisiblement dans l'espace où on a mis un grand Katanga. De l'autre côté, il y a à boire et à manger. Quand on a vu ça, on a vu la force du progrès. Ce sont des jeunes gens qui ont accompagné Bazala qui n'a combat et IDPS pour IDPS à accéder au pouvoir. Aujourd'hui, ce sont des bandits qui sont jugés parce qu'ils ont mentalité dans Bango. Ils ont manqué un encadrement sérieux. Bah jeune gens au lelo ba mususu batangité ba mususu pe batangi na bango ba suki quelque part où ils sont aujourd'hui présentés aux yeux du monde entier comme des bandits dangereux pour la République. Ce sont les mêmes gens qui ont fait que ba marche au banero yoka ba ville morte na Kinshasa. Ce que zala ki ko reçu, ce sont ces gens là qui prenaient des risques. Oyoki ke ville morte simbi na Kinshasa Kabila Leli, les jeunes gens qui ont présenté les lots comme bandits. Les antibans qu'on arrête là et les autres jeunes gens, je ne sais pas si c'est la banalise. Les autres s'arrêtent quand ils parlent. Kabila, c'est un assassin, mais il fallait avoir des braves, des jeunes courageux qui pouvaient risquer de leur vie pour les lots de paix accéder au pouvoir. Certains ont perdu la vie. Moi, j'ai participé à des marches. Je sais. Bravo, il y a bateau, vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Apport na bango na combat pour IDPS accéder au pouvoir. Les lots manquent, il y a contrôle, il y a système. Avoir un Augustin Kabuya comme secrétaire général de l'IDPS est une malédiction pour l'IDPS. Les lots, ces jeunes gens qui devaient être encadrés parce que réellement, ils va garder le pouvoir. Ce ne sont pas des bandits. Ce qu'on y a une mentalité, on a eu un peu de temps, on a eu. Nous autres, on va essayer d'être sérieux, mais bango ce qui est limité, on a eu un peu de temps. On a eu un peu de cadre, on a eu un peu de temps, on a eu un. Je ne pense pas qu'ils sont les premiers au monde. La réalité qui se passe aujourd'hui, c'est que Toyoki, la police, a été interpellé bango. C'est vrai, lorsqu'il y a des ordres sur la place publique, des ordres, ce que Salami va interpeller. Bateau, à la base, il y a des ordres. Tout le monde dit, papa, kani, kani, bango, des ordres, c'est comme si il y avait un peu de temps. Papa, le petit bango. Et Kabuya qui vit son déclin, qui résiste encore, na déclin, oh, il est inévitable. Alibi, na yebi bangote. C'est parce que il y a un bangote à solo encadré à bangote. Il y a une école, il y a parti, il y a des places, place ils ont encadré sous Bajel, depuis des places, ils ont en pouvoir. Quelle est la place de la jeunesse réservée? Banda bango baza ko mela miliki ya malamu. Banda kabuya zo soma ba mapango zo soma banini. Quel est le sort réservé aux jeunes de l'UDPS qui ont combattu? Et l'autre côté.
C'est un procès injuste. Les général de la police qui limbalimba que c'est vrai, salam salam na yo ya kozongi sa ordre, kocha ordre, mais kokota na ba dossier ba politicien te po ici mi sa ba batouche. Les mêmes personnes qui vous donnent des ordres en cachette à manipuler, salam boye kanga bango bokomi ko kanga ba musu bozo beta bozo salam bango. Ces mêmes personnes là, ils vont tourner la casaque. Bah abandonner yo, on prend une personne, on les met à la place. C'est ça le travail des politiciens. Il y a qu'on manipule là-bas. Cette affaire, ils allaient apprendre avec des pincettes. Ils allaient faire, il y a responsabilité. La jeunesse de l'UDPS dans la rue devait être encadrée. C'est ça le bon message à retenir. Tout ce qui s'est dit, bah voyou, et bah ça, ça, bah ça, 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 a été un Tshisekedi. Wapi balie encadrement. Il devait se partir au pouvoir. Ils attendent une initiative, il y a Mukete, où ils ont encadré les jeunes. Ces jeunes gens-là n'ont pas tous vocation. Mais vous pouvez savoir ma politique. Mais juste un encadrement. Être battu, il devait se battre au pouvoir. Aujourd'hui, il y a un peu de c'est grave, même l'esprit a été fait pour se faire. Et vous pouvez passer si vous avez un peu de temps parce que je maîtrise l'histoire. Mutu soko yebi l'histoire na yete ubendenge balubaka na lingala o soko moni mkuu anafulu kosekate zalaki pe na misuni nango. Je ne pense pas que Etienne Tshisekedi a envie ces enfants là aujourd'hui pouvaient être traités de bandits. Nakamoto olobezo pesa biso passe parce que aujourd'hui la jeunesse de l'UDPS est toujours dans la rue. Avenir ya mboka, avenir ya UDPS et comme traité na groupe ya individu qu'on avait intérêt na bango. Et là, au moment où je suis en train de parler, Augustin Kabuya résiste. Il y a une soi-disant convention démocratique. Il y a un parti de PS où il faut se réunir pour faire ceci. Toutes les manigances déjà planifiées. Il y a certains qui sont soit de la famille qui veulent que Augustin Kabuya reste à continuer à gérer l'IDPS. Dans le modèle, il y a son. Donc, l'IDPS est allé bien privé maintenant entre des groupes d'individus. Une affaire qui doit être gérée par la famille, l'Okuta. Si vous cherchez à intimider les gens, vous voyez que l'UDPS est bien privé à vous douter. Et l'autre, vous continuez à vous et je ne pense pas que les Congolais vont nous contredire. Si la famille biologique d'Étienne Tshisekedi et la famille élargie pensent que les partis UDPS aujourd'hui gérés en désordre, de manière opaque par Augustin Kabuya, est un bien privé à Bango. Manouki remplaçait Augustin Kabuya ba monité ba lobby, il faut qu'on s'impose pour les garder. Beaucoup de batubele na chemin na bino. L'UDPS est un monstre en plusieurs têtes. Ceux qui ont dessus au sommet de ces partis-là, ils vont laisser la place à l'autre, à d'autres personnes. Parce que le parti ou les membres de la famille. C'est ça l'erreur que continue à commettre la famille Tshisekedi. Kokanisake. L'UDPS, le rôle de Tshisekedi, Abundaga, Zaga, Papa, Nabiso, ils ont bien Nabiso, tu continues à gérer, Biso, tu vas imposer. Ça ne fonctionnera pas. Et qu'on exime Baté. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous parce que, à défaut, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous allez arriver même à un point où vous voyez, assassiner Batou. Pour vous garder, sphère Nabino, il y a pouvoir. C'est faux. Sachez-le bien que personne ne vous laissera ces combats-là. Ils ont dit combats menés par beaucoup, par des millions de Congolais. Il y a des inconnus qui ont donné de leur sang. Bakoufa, de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Bakoufa, toi Bakombo na Bangote. Bawawa na Bakolanda Bino. Je l'ai dit, ça fait très mal. Et Augustin Kabuya, aujourd'hui, ils ont une illustration à la démocratie. Des décisions prises. Mais allez lire les statuts de l'UDPS. C'est quoi un congrès? C'est quoi un congrès extraordinaire? C'est quoi un congrès ordinaire? Aujourd'hui, il faut manipuler les textes. Au moins, parce que c'est Kabuya qui est facilement manipulable. Le roi Kabuya est un instrument qui est manipulé facilement. Pour avoir gardé l'intérêt dans le bango, il faut continuer à garder. La vérité est que nous savons. Si vous ne trouvez pas de solution, sachez que Makamoussou et Zali, vous avez la place publique. Vous avez mis en place. Sortez de ce dossier-là de l'UDPS. Laissez le pouvoir de l'UDPS à la base. Ça se gère comme ça. Vous avez mis en place Makamoussou pour remplacer. Vous trahissez la mémoire de Tshisekedi. Les longs mots, quand ils ont géré, quand ils ont géré Tshisekedi, ils ont mis en place.
Nazo continue que le bambou que tu sais que Naza a boité parce qu'il ne marche pas avec l'UDPS. Or, idéal, les Alaki, que combat où il y a l'UDPS, par Nango, il y a reçu les Alaki, tu sais que d'accéder au pouvoir. Mais le combat continue, il faut la bonne gouvernance. Il faut que tu aies un peu de Congolais et que tu aies un peu de Kisama. Aujourd'hui, on ne sait plus parler le peuple d'abord. Toujours, on va vous expliquer à mon batouté. Parce qu'il y a un groupe d'individus qui pensent que, et comme un moment à Bango, va profiter, va se faire un millionnaire. Tshisekedi tourne seul. Comment Moutouma va vous être indispensable alors que combat, et ça qui combat, il y a battu Nyonso, il y a communauté mobile. Et ça qui sonne, il peut mawa. Mais bien sûr, il faut vous rappeler dans la bande de quoi, parce qu'on s'est trompé. Que vous soyez de la maman, que vous soyez de la famille biologique de Félix Tshisekedi ou de Étienne Tshisekedi, que vous soyez doux. Ceux qui ont besoin de vous, il faut manipuler les décisions de manière à ce que vous soyez, à défaut d'avoir un nouveau Kabuya, accompagner Kabuya d'une autre personne et qu'aussi mbate. Bon, là, le pouvoir, on ne blague pas avec. Mais les gens risquent de mourir ici. Et ce n'est même pas une affaire individuelle de Félix Tshisekedi. Ils allaient affaire communautaire, ils allaient affaire, il y a toute une organisation. Il y a des continuer à fonctionner, tu sais qu'il est mort déjà. C'est parce que c'est un état d'esprit. Et là, il faut qu'on vende la yango. Il faut aussi te conseiller qui président Félix et Tshisekedi na musika que la moussa pouvoir na yo. Sinon, il y a des pays qui sont battus. Et que ça passe. C'est le procès aujourd'hui que nous sommes en train de suivre. On va les risquer de les condamner. Heureusement qu'ils ont des avocats. Mais ceux qui ont des avocats, ils ont des avocats. Ils ont des avocats. Ils ont des avocats. Ces jeunes gens-là, ils sont victimes de l'injustice, de la mauvaise foi. Alors que Bino n'y a pas de destination. Comprenez qui veut. Je parle ici aussi des dossiers. Il y a l'Holocauste. Il y a un peu de temps. Dossier autre le bagage pour compléter à mon lobby tout mon agin de vos ministres la mission de la justice Constant Mutamba à l'élai qui m'a amis à taliba témoignage à l'éli. C'est un sujet qui a marqué aujourd'hui aussi marqué notre semaine commémoration au ya holocauste ya congolais. Moi j'appelle ça holocauste parce que moni français ça va se mais bateau peut-être bas après quoi porter vu sur plus n'avons pas vu que c'est plus qu'un génocide. C'est un holocauste. Hein? Au fur et à mesure, tu allais pour évoluer, tu arrives toujours à retrouver termes où ils allaient convenables. Et avec nos dirigeants aussi, ils allaient pour une organisation pour que l'okoyo écoute la mémoire et bande bonne mission. Mais au moment où tu allais pour commémorer l'holocauste, wana génocide, les Congolais pour des intérêts, l'armée s'affronta qui awa, ougandaise ou rwandaise, il y a des Congolais de l'histoire qui se sont alliés na ba ennemi ya peuple congolais ba batama ba lingi to beta histoire te to ko beta mokaka même si ça blesse mais faut quand même raconter ça pour nos enfants. Des noms que je vais vous citer ici ba kombo oyo ba de konanga na éviter ko pe ça passe mais faut to lobe l'amour. RCDKML, vous êtes fiers hein? Antipas Mwisa Nyamwisa, Roger Lumbala, qui aujourd'hui est emprisonné en France. John Tibasama, Albert Mpeti Biombo, Eric Rubouye, Jean-Pierre Bemba, qui après a créé les MLC. RCD Mouvement de Libération ML, Ernest Wamba Diawamba. Et ça, la Bune Sengo. Vous avez demandé pardon au peuple congolais, mais vous êtes fiers d'occuper encore des fonctions de responsabilité. Moussa Nyamwisi, Jean-Baptiste Sondi, Willy Misabiko, Faustin Mounene, Georges Aloula, Jean-Marc Boende, Azarias Rubero, RDC, RCD Goma, Émile Ilunga, Jean-Pierre Ondekani, Bizimakara, Wanakutu Rwandais, Moïse Nyarugabo, Adolphe Onusumba, Deo Gracias Bouguera, Jean-Pierre Lola Kisang, Nyerere, Mouiwa, pour ne citer que ceux-là. Natangi bakombo yo boyo kisamwa tabana na biso bayoka yango. La liste n'est pas exhaustive. Ça fait très mal lorsqu'un peuple ne sait pas avoir
ne sait pas. Mémoire historique, il y a peuple, les alliés fauchés. Na lobaga mon lobby na zo répétant mon lissou sous les loups. Certains ont dit le rôle de dialogue inter-congolais salimaga et c'est cela nango. Moi je vous dis que nous ne pouvons pas bannir de notre mémoire ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être au sein de notre classe politique. Bakongo na tangia mo pambate, ils ont assisté à ce qu'ont fait les étrangers. Bango pe bazo faire partie na bateau ba massacrer biso poto koma na point auto komi les loups. S'il y a de pleurs et de grincements dedans partout, les noms que je viens de citer, les amis Congo ya Batoyo, bazapé à la base, il y a malheur dans les sous. Mais le roi congolais a interrogé à l'histoire de vous êtes dans leur parti politique. Des partis politiques qui quittent du guérilla au parti politique. Mouvement rebelle, on se voit le bité, vous avez compris ça, Kabila. Pour Kabila, le roi a été dit, congolais. Vous avez massacré vos propres frères. Pendant que vous avez Bounissa Kabila, vous avez pillé les minéraux. Vous avez collaboré avec les ennemis à Congo. Aujourd'hui, ces gens-là sont politiciens. Moi, quand je les vois, j'ai des larmes aux yeux. Parce que dans ce côté, là, les Congolais, ils ont dit qu'ils ont l'ignorance tue. Ils ne sont pas si vous avez dit qu'ils ont dit. Nous, Congolais, nous ne sommes pas habitués à interroger la mémoire historique. Aujourd'hui, ils sont fiers. Bakéi baza ko kitisa ba gerbe de fleurs baza ko tcha mabanga oyo to ko tapo to banda ko commémorer mabanga soki to lobito tchango eza est mobile. Combien de massacres, combien de hécatombes les politiciens congolais devaient avoir honte face à toutes ces situations. Compassion à peuple congolais, za bonne gouvernance oyo ki ma lobite tete makamona sali nako yiba sumbo ma komote. Mais malheureusement, ça fait froid au dos lorsqu'on cite les millions que ces gens-là sont en train de détourner. Et choqué, j'ai cité des noms, peut-être Bandeko Nabao Moussou Bazo Landanga. Ils en ont compte à rendre. Moi, je ne fais que parler de l'histoire pour nos frères et sœurs, pour nos enfants qui viennent de naître, pour ceux qui sont à la maternelle. N'insiste pas, les locaux. Tous ceux qui continuent à avoir un ministère de l'éducation. Tous ceux qui continuent à avoir un ministre. Au bazar chargé dans ma camouflage enseignement supérieur et universitaire. Ça fait très mal si vous allez même dans nos universités. Les étudiants sont ignorants de l'histoire du Congo. Bah, événement tout ça pour le tragique, bah, tragédie au Bissau et l'équipe en Bokana Bissau. Les jeunes congolais, surtout ceux qui sont à Kinshasa, vous pouvez interroger sur 10 personnes. Et ça difficile sur 9, bah, vous allez être ignorants. Bah, il m'a gambo tout ça pour le bawati. Mais c'est un défi aussi de gouvernance. Comment tu vas aller dans citoyen va yebi ko défendre Mbokoyo? Ce qui to yebi ko former bangote. Ce qui to sali réforme ya soloté réforme radicale ya éducation na biso nationale. On continuera à avoir des générations en générations des citoyens vulnérables. Oyo baza ko servir ne lo ko mokote. C'est choquant, chers compatriotes, mais prenez ça comme ça, les ali souci qui makambo changé. Les ana mo kandaté. Pour biso to sito le kaki na makambo etali ya kanda pona bosuki si eza na element moko important et se pelisa ki nga eta na landi yango element oyo na landi et pesi nga esengo parce que na yogi quand même moi décision moko ezali ko lakisa que on commence à essayer. Le gouverneur du sud Kivu azwaki mokano alobi l'entreprise union sominière suite à désordre bazali ko respecter mi bekote bazako exploiter na ndenge ezali ya soloti ba suspendre na nou jusqu'à nouvel ordre ba activité minière union sona sud de Kivu. Le roi ba chinois ba siba yeba na bango ke na Congo il y a pas loi, la loi c'est la corruption. Je viens na pesi na nana tamwisi mbongo na ba autorité bazana na circuit wana et si li je m'impose comme un chef. Et si lui n'a s'imposé dans la Chinois, il y a une activité. Il y a une activité pendant que les mesures sont manquées. Moi, j'étais un tout petit peu fier pour la monnaie bâtie chinois craquant dans ma boue. Il y a une activité. La vidéo est sur qui ceux qui n'en ont pas beaucoup, c'est dans la routine de la vidéo. Dans WhatsApp. Et ça passe. Mais bâtie est craquant. Si les étrangers viennent chez nous, comprennent que baza ordonné, bazali attaché na mibé ko na bango, ils vont emboîter les pas. Mais ah, soko yo kuti be étranger, ba vandi na bango,
C'est-à-dire on veut traiter bien les étrangers pour balayer Kambongo na Simaba étranger, on maltraite les Congolais. Et au moment où je vous parle, il y a un scandale. Ça reste encore à vérifier pour tout l'an de l'an ou bien. Nazaga simu mabongo na misu. Ba chantier ebele. Ba chantier minene oyo eningisa ki kishasa ezanyonso etelemi. Il y a des Turcs, les milliardaires turcs qui ont collaboré avec le gouvernement congolais. Parce que c'était déjà des milliers d'emplois pour les gens congolais, malgré le salaire à moins d'un an. Mais quand même, il y a trouvé une occupation. Kinshasa Arena, centre financier, foire internationale à Kinshasa, aéroport Yanjili, des maisons qu'on construit pour nous sinistrer à Matadi Kibala. Et il y a des projets comme ça. Mais, quand on a dit que les Chinois ont remarqué que au Congo, il y a un laissé-aller. Ils peuvent, outre leurs milliards, ils ont dit qu'ils ont circulé. Ils ont dit qu'ils ont Bambongo na ye bana ko dumaka na procédure d'urgence poto ekoti poto poto nana mingi ya kolobate parce que c'est un dossier très sensible et c'est lourd et ko senga que ba creuser là dedans mais si les investisseurs que nous appelons isengeli ba ya ko kuta biso ka na mentalité oyo to ko continuer ka ko se plaindre ah au moni ba ye ba ko mi ko bébé ça parce que tout le monde qui vient soni muta kutine ordre a ko respecter ordre ma bible. Ce n'est pas un désordre. Il y a des ordres. Allons d'abord bien vérifier. Tout ça, là, nous avons point sur le dossier. Nous avons un journal qui est le plus important. Tout le monde est là. Tout le éclairage est important avant. Tout le monde est là. Nous avons un éclairage qui est juste introduction. Dans la prochaine émission, nous avons un yango. Merci à vous tous qui avez choisi de suivre cette émission. L'important est là. Les fils patriotiques qui nous lient, important est que les Congolais soient que l'avenir est entre nos propres mains. Ce qui est Congolais, c'est que Bende l'école au Congo et Simba Mina Bisomoko, je pense que le pari est gagné à travers cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous avait accompagnés, des bombes à chaque jour dans ma caméra. Ma réalisation pour cette émission est comme la Bino. Merci à l'homme de la vérité des urnes, Jean-Louis Timbalanga. Merci à papa Michel Lumakasso. Apôtre Gérard Kabeyachovo, merci na papa Michel Lumakasso, papa Maurice Kikangala, papa Boniface Mpuma, papa Freddy Ngwama, bato na tanga kezaka mabanga te, c'est la famille, ce sont des aînés, des bande kwebele, maman Annie Masamba, maman Bilibilonda, maman Lisette Mondendou, bamuzuzu pe na tanga ka bango te, ils sont si simples qu'ils ne veulent pas entendre leur nom, mais ils font partie de la famille qui veut que GKM Télévision émission Debout Congolais et continuer pour briller et continuer pour la Moussaba Congolais. Ce qu'on s'appelle une émission Oyo, pour vous liker, abonnez-vous si vous êtes abonné et partagez massivement cette émission. Wazalendo na motema, Fardese na motema. On se retrouve prochainement avec notre émission.